Voilà, bonjour à tous. Eh bien, je vais pas tarder à entretenir mon scooter. Hein. C'est un Peugeot Satellis 300. Voilà, vous l'avez devant vous. Et je vais vous montrer très rapidement tous les points qu'il est bon de faire pour faire un bon entretien. Évidemment, je fais ça, j'en fais, etc. Alors, je vous montre au fur et à mesure. Bon, pour l'eau, pour le liquide de refroidissement, regardez, il est à droite. Hein. Ici, vous avez un cache. Vous voyez, vous avez un cache que vous déclipsez. Vous voyez comment il est fait? Voilà, vous le déclipsez avec un couteau, un petit tournevis. Et puis, vous avez ici la pointe de votre liquide de refroidissement. Vous remettez tout en place. Ensuite, alors on va voir maintenant le côté vidange. Alors d'abord, on va se pencher sur la jauge. Voilà, c'est un peu difficile avec les deux mains. Voilà la jauge, hein, ici, vous la voyez, allez, je la dévisse, voilà, vous l'avez devant vous, je vais l'essuyer quand même, voilà, pour bien que vous la voyez, voilà, bon, ça là quand même, alors, vous voyez, il y a un système, au centre, vous avez un guide, alors il faut que ça soit sur ce qui est assuré. Le petit au centre, c'est le maximum et en bas, bien sûr, le minimum. Il faut donc ça, l'idéal serait que ça soit au milieu de la zone assurée. Voilà pour ça. Alors, je vous signale que c'est sur le 300, c'est 1 litre 3. 1 litre 3 de la 0,40, 0W40, de la synthèse. Alors, je vais vous faire une confidence. Pour remettre de l'huile dans un Satellis 300, mais il faut simplement mettre un petit entonnoir ici et puis le remplir par là. Voilà, bon, je vais revisser ça. Puis à côté, vous voyez qu'à côté, c'est le filtre à air. Alors, regardez dans l'état où il est. Oh, il est pourri. Et ça, c'était le cache du filtre à air. Alors, tout simplement, voilà, il se met dans ce sens. Vous voyez les deux vis ici et là. Pour le fermer, et c'est simplement une mousse, c'est simplement une mousse. Voilà, voilà le type des deux vis qu'il y a de chaque côté. Voilà, alors maintenant on va regarder la vidange à proprement parler. Comment enlever l'huile? Voilà, on est ici, on est au filtre à huile. Et le filtre à huile, il est là. Voilà, c'est une cartouche qu'on visse. Alors, vous voyez, vous mettez un appareil ici, pas besoin. Vous le dévissez, vous l'enlevez, vous huilez un peu le joint et vous le remettez en place. Et en principe, on n'a pas besoin même pas de clé à chaîne ni de clé à filtre à huile. Il suffit de mettre un outil ici et de le dévisser, un gros tournevis. Voilà. Et alors, ça, c'est le filtre. Hein. Oui, je vous montre les coordonnées. Je crois que celui-là, c'est un Kimco en plus. Et là, vous avez ben c'est tout simplement la vidange. Vous n'oubliez pas de mettre un panier dessous. Et puis vous vidangez, vous changez le joint, vous remettez, vous nettoyez la crépine. Et le tour est joué. Alors, bien sûr, 1 litre 3 de la 0W40. En synthèse, c'est l'idéal. Voilà, ben je crois qu'on a fait le tour. On va continuer. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Au niveau du filtre à huile, il est bien entendu que si, le voilà, si vous ne changez pas le filtre à huile, vous mettez un peu moins d'un litre 3. Hein. Essayez d'abord à un litre, regardez où vous arrivez. Par contre, si vous changez, que vous vidangez bien et que vous vidangez à chaud le moteur quand même plus que tiède, à ce moment-là, avec le filtre à huile à moins, il vous faudra 1 litre 3. Voilà, 1 litre 25, 1 litre 3. Voilà, on continue. Voilà l'huile sans faire de pub pour Carrefour. Voilà l'huile 5,40.